Watukufu Timwezini, Maraba, Ivomlio Nawasi. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Kwezi. Zigizora zikizambeli leo, maji ibalwa tsena, wa maure wa leme wa na ipa sanitaire, na igari aeresi ya mavareni. Maelezo arnama abari ya leo. Oui, les titres de cette édition, les coupures d'eau ont fait leur retour. Cette décision est incomprise par la population, des Maorés qui réclament plus de transparence sur la question. Et c'était espéré, au final, pas d'adaptation locale du pass sanitaire à l'issue du conseil de défense de ce matin. Une décision qui ne devrait pas faire que des heureux à Mayotte. Avoir recours à la contraception, une habitude que n'a pas forcément la population mahoraise, c'est dans ce but que la REPEMA lance une campagne de sensibilisation à partir d'aujourd'hui. Et ça ne vous aura pas échappé, la SMAE et le SMEAM ont relancé les tours d'eau. Chaque soir, des zones déterminées n'ont plus accès à la ressource selon un planning arrêté au 22 mars 2022. Au-delà des coupures elles-mêmes, c'est la clarté de ces annonces qui fait défaut auprès de la population. Nous lui avons donné la parole dans le reportage qui va suivre. Hawandrisa madzamu ono amba SMAE na SMEAMU waregeza adisi ya ubala ya maji kula siku wa malago zangina wabalua wa ya maji kila komuni ka ivolo siku yae be SMAE kawasilunga splaningi wa maore wa jasira jaidi maulida akama vareni leo. Les coupures et tours d'eau ont fait leur retour sur le département. Chaque soir de 18h à 5h du matin, certains secteurs sont privés de la ressource. Une situation que la population ne supporte plus et qui les questionne. Département français, comme ça. Il y a manque d'eau. On voit ceci en Guinée-Monouane. Au-delà des coupures, les Maoris ont du mal à comprendre la communication des instances gestionnaires de l'eau pas assez transparente selon eux. Ah, tu commences à se communiquer là et quand se communiquer t'as hâte. En fait, le problème sauf le car ce genre bah bon, sauf qu'il rime bah car ça ou un bébé ou il quoi lui. Parce que je parle de ça bah j'ai écouté là tout d'un coup. Voilà en tout cas prévenez moi voilà bah là où les n'a besoin ça ou j'ai parlé bah mangez écouté là. Waouh fanya tout tongo il a dit moi bah ouais t'es quel est tout ça. Donc, en tout cas, c'est d'accord. La SMAE affirme que la ressource est là. Ce sont les installations de production qui font défaut. Le département aurait besoin de 2500 m3 d'eau supplémentaire pour subvenir aux besoins de la population. D'ici la fin du mois d'octobre, 1100 m3 supplémentaires devraient être produits, annonce le SMEAM. Une nouvelle usine de potabilisation, quant à elle, n'est pas à l'ordre du jour. L'ensemble des Maorés en aurait pourtant bien besoin. Maji yu tu diriki yao mavareni, wanadamu walemewa, amwesa kawaselewa matini risibalwa ya maji, wasurungwa basivo, SMAE na SMEAM kawasilunga splaningi, wa maure wasidai wavolwe maelezo hauzuri. Un autre sujet fait beaucoup parler, c'est cette mesure prise par le maire de Mamoudzou, Jaidi. Oui, Yousra, nous allons évidemment parler de la circulation alternée. L'expérimentation débute le 1er octobre prochain et dans tous les secteurs d'activité, les craintes sont réelles. C'est le cas dans l'éducation. Ce matin, nous recevions le secrétaire départemental de la FSU. Si Henri Nouri est venu pour évoquer l'appel à la grève lancé demain, il n'a pas manqué d'exprimer ses doutes sur cette mesure municipale. Déjà aujourd'hui, alors que ce système n'est pas encore en vigueur, on a des embouteillages considérables. Moi-même, je viens en dehors de Mamoudzou. J'ai mis 2 heures pour arriver ici. Et on sait qu'il y a des gens qui se lèvent à 3 heures du matin dans le sud de l'île pour venir ici, alors qu'ils ne sont pas encore dans ce système. Alors, je ne vois pas très bien comment ils vont faire, alors qu'on n'a pas de transport en commun. On n'a pas de parking qui permettrait de se garer avant d'entrer dans la zone interdite, on va dire. Bon, quand on limite la circulation, on peut le comprendre, hein, d'un point de vue politique, pollution, d'un point de vue de, disons même, de qualité de vie, mais
Mais il faut s'en donner les moyens. Et actuellement, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir gérer cette situation, comment les personnes qui viennent, d'ailleurs tous les salariés qui viennent travailler à Mamoudzou, vont pouvoir faire. Et nous vous en parlions hier dans les titres. À partir du 4 octobre, l'obligation du port du masque à l'école primaire sera levée dans les départements ayant un faible taux d'incidence. Les jauges dans certains établissements recevant du public seront aussi suspendues. Ces allègements annoncés aujourd'hui par le gouvernement étaient attendus. Le pass sanitaire, quant à lui, est maintenu. À Mayotte, les restrictions sont mal vécues par une partie de la population qui garde tout de même espoir de voir le pass sanitaire être supprimé. Ina wanasuku rangulinda ori kiezo serikali atozorongo sababu ya pass sanitaire leo wakotoa maelezo mpya maelezo na Ivan Rakotovao. Avec un taux d'incidence bien inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants, Mayotte pourra prétendre à un allègement des restrictions, et notamment une suspension du pass sanitaire, une mesure qui ne passe toujours pas parmi une partie de la population. Oui, sincèrement, je suis très bien. Je circuler librement, les restos librement. C'est pas bon. Et non, finalement le pass sanitaire est bien maintenu dans toute la France. Un allègement des restrictions était pourtant attendu aujourd'hui. Et le gouvernement, réuni en conseil de défense, n'aura finalement desserré que légèrement la bribe dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Avec la levée de l'obligation du port du masque à l'école primaire, ainsi que les jauges dans certains établissements recevant du public. À Mayotte, certains désirent plus de relâchement et pour eux, la solution reste la vaccination. D'autres, en revanche, refusent catégoriquement le vaccin et le pass sanitaire. On ne peut pas obliger un individu à s'inoculer des choses qui ne sait pas ce que c'est et puis s'il ne veut pas. Ben, moi, quand j'étais petit, ma mère m'obligeait déjà à manger ce que je n'aimais pas. Maintenant que je suis un homme, je pense que je suis libre de pouvoir penser je veux ou je ne veux pas. Avec une incidence de 39,4 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 2%, l'épidémie semble se stabiliser à Mayotte. Les nouveaux allègements de restrictions doivent entrer en vigueur le 4 octobre prochain. Faire le plein avec ou sans le pass sanitaire, c'est ce qu'espère le pôle culturel de Chirongi. Oui, Yousra, en effet, la première saison culturelle débute ce samedi avec un concert d'ouverture très attendu. De septembre à juin, il y en aura pour tous les goûts. Et si les artistes locaux auront la part belle, Mayotte va également s'ouvrir à des inconnus, ou presque. Des talents venus de La Réunion, de Madagascar ou encore de la métropole seront à l'affiche dans les prochaines semaines. Écoutons la directrice du pôle culturel lors de la matinale. On a essayé là aussi de jouer à l'équilibre pour pouvoir et proposer d'accompagner des artistes locaux, parce qu'il y a énormément de jeunes talents locaux à Mayotte, des artistes qui sont déjà de plus grande renommée et également ouvrir aux propositions de l'océan Indien et avoir aussi quelques propositions qui viennent de métropole, puisque voilà, on va ouvrir un petit peu sur d'autres disciplines, comme par exemple le beatbox, où là on a Coche qui vient de métropole. Mais en termes de musique, de théâtre, de danse, il y a tellement de possibilités ici. J'imagine. Et en même temps, c'est plus compliqué de faire des gens de métropole, c'est des gens qui coûtent plus cher quelque part. Non, il n'y a pas aussi cette volonté-là de dire ouais, restons local, parce que quand même, c'est un coût. Alors ça a un coût, mais nous, ça nous permet aussi d'ouvrir aussi un petit peu. Ouais. Et puis les artistes, je vous avoue, sont ravis de pouvoir venir à Mayotte. Ah ouais. Vraiment. Ouais. Ah oui, quand on leur propose, ils sont ravis de pouvoir venir ici. Et on utilise justement, quand les artistes viennent d'un petit peu plus loin, on les fait rester plus longtemps sur l'île. Mmh. Et on met en place des projets justement aussi avec les écoles pour avoir des résidences un petit peu plus longues. Et nous allons passer au reste de l'actualité en bref maintenant, Yousra. À Oukouchi, parc marin wa Venuazi, Ishimayani ou Atsukao Wakala, c'est que wasi jutsa wantu amba campagne za vaccin ki nyume na wade wa covid madza wandisa rangu mwezi 16 wa septembre.
Le parc naturel marin vient de dévoiler les lauréats de la quatrième vague de l'appel à projet, les ambassadeurs du lagon dans les villages. En 2021, 9 structures bénéficieront de l'appui technique et financier du parc pour une enveloppe totale de 103 000 euros. Parmi les projets, on peut retenir celui de l'association Cocotier Rigolo, basée à Tsunzhou, qui propose des actions de sensibilisation axées sur la prévention de la mangrove. L'association Les Naturalistes de Mayotte souhaite mettre en place le club de jeunes naturalistes afin qu'ils puissent porter des messages et des projets de préservation de la nature dans leur village. L'association Mouvement pour une alternative non violente de l'océan Indien veut continuer les actions menées l'année précédente en sensibilisant les habitants des quartiers sur les bons gestes à adopter à terre et au bord des rivières. On peut encore citer la commune de Dzaoudzi l'Abattoir qui propose une formation de jeunes ambassadeurs du lagon en lien avec le patrimoine naturel, culturel et traditionnel de Petite Terre. En août 2021, le prix à la consommation augmente de 0,4% à Mayotte. Le rebond des tarifs de l'énergie se poursuit avec plus de 1,6% en août, après plus de 1,1% en juillet. Cette hausse résulte de l'augmentation des tarifs des carburants et de la bouteille de gaz. À l'inverse, le prix de l'électricité reste stable. Sur 12 mois, le prix de l'énergie croissant de 11,6% à Mayotte et de 12,7% en France. Le prix des produits alimentaires augmente, eux, de 0,8%, après plus de 0,3% le mois précédent. Concernant le prix des produits manufacturés, là encore, ils sont en hausse. Tous les prix des produits audiovisuels et de l'habillement. La hausse des prix est aussi marquée par les articles d'équipement du ménage. Quant aux voitures, leur prix accroît légèrement de 0,2%. Enfin, l'augmentation des prix du tabac se poursuit. 0,1% en août, après 0,2% en juillet. Sur un an, il augmente de 9,4% à Mayotte et de 5,1% en France. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte informe que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 16 septembre 2021 à Mayotte et se poursuivra jusqu'au 13 janvier 2022. Cette campagne concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes souffrant de certaines maladies chroniques, quel que soit leur âge, les femmes enceintes, quel que soit leur trimestre de grossesse, ou encore les personnes obèses. À noter que sont également concernés l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave et de personnes immunodéprimées, idem pour les professionnels de santé libéraux. Pour vous faire vacciner contre la grippe, il suffit de retirer gratuitement le vaccin à la pharmacie sur simple présentation du bon de prise en charge que vous avez reçu par courrier. Vous pouvez aussi vous faire vacciner par les professionnels de santé de votre choix, médecin, pharmacien ou infirmier. Si vous n'avez pas reçu votre bon de prise en charge ou si vous l'avez égaré, vous pouvez le retirer chez votre professionnel de santé. J'ai dit, maintenant nous allons parler de contraception. Oui, nous vous en parlions hier, la campagne Ma Contraception, Mon Choix a débuté hier. L'ARS et le réseau périnatal de Mayotte co-organisent cet événement afin de sensibiliser les familles au contrôle des naissances. Parmi leurs moyens d'action, des camions qui sillonnent le territoire pendant une semaine. Et à son bord, des femmes sont chargées d'informer la population sur les différents moyens de contraception. Nous les avons rencontrées ce matin à Tsunzhou 2. Madzarako irongwa vojana ARS atoa maelezo zai ya unahaniza wanchu na hadisi ya umira. Yani maore de Ivanu arnaifaransa pia ilona wanchu wa mira uswafi. Ivan Rakotovao akatsunzu asubu Ivan. Maelezo. Devant la MJC de Tsunzhou 2, un curieux camion est stationné. À son bord, Ayu, une sage-femme de la PMI de Sadashikoni, qui accueille ce matin les femmes attirées par cet étonnant véhicule pour leur parler contraception. Quand elles entendent le camion, donc elles viennent nous voir avec leurs questions déjà. Donc on cible vraiment à partir de leurs connaissances. On leur dit ce qui est faux, ce qui est vrai et qu'est-ce qui lui correspond le mieux en fonction de sa vie, de ses habitudes. Et on l'aide à choisir en fait ce qui lui convient le mieux. Ouais. Pilule, préservatif ou encore un plan, autant de moyens de contraception présentés ce matin aux femmes de la commune. Cette action est réalisée dans le cadre de la campagne Ma Contraception, Mon Choix. Lancée hier par l'ARS et le réseau périnatal de Mayotte, cet événement a pour but de sensibiliser les familles au contrôle des naissances. Et c'est une campagne qui dure une semaine. Donc il y a les sages-femmes de la PMI qui participent dans cette campagne pendant toute la semaine parce que le camion se déplace sur toute l'île de Mayotte. Des déplacements du nord au sud, sans oublier Petite Terre, pour ne laisser personne de côté, alors que beaucoup ont encore de faibles connaissances des moyens de contraception. Souvent, il y a beaucoup de mythologie autour de la contraception et elles ont tendance à écouter plutôt ce que disent les voisines et donc elles ont peur. Et aussi, culturellement, c'est pas très...
par rapport à la religion et tout ça. Et aussi, parfois, c'est les maris qui les empêchent parce que souvent, les hommes veulent avoir beaucoup d'enfants et du coup, les femmes, elles n'ont pas complètement le contrôle sur leur corps. Une pression sociale qui explique l'indice de fécondité élevé à Mayotte, qui était en 2017 de 5 enfants par femme. Un chiffre paradoxal si on le met en parallèle avec les 26,4 interruptions volontaires de grossesse pour 1000 femmes sur le département en 2016, soit le taux d'IVG le plus important de France. Vavo ARS na matuabibu wa sikaribisa wa maore armua maafali yao pare wa lunge unono wa maisha na uziro ya uza vavo armua mfumo moja wa tsuka na gari tso zingisa opia mavareni ta wapare wa eleze uzuri unono ya maisha. Et merci de nous avoir suivis. Demain, je serai en compagnie d'Ivan Rakotovao pour vous présenter le journal. Maraba vumwa lunga na mkwaheri.